à tous, aujourd'hui je suis hyper contente de me retrouver dans cette vidéo. C'est hyper gênant parce qu'en fait j'ai mon copain qui est juste derrière en train de jouer à la Xbox. Et ça me gêne vraiment. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Alors aujourd'hui on revient parce que j'ai acheté tout ça en friperie en 2 mois. Non, en 1 mois parce que j'ai tout acheté au mois de juin. Donc voilà, je sais plus trop les dates et j'espère que j'ai tout mis dedans. J'ai un pantalon sur moi, donc vous verrez à la fin en close-up. Voilà. Alors du coup, on va commencer par ce short-là. Un short comme ceci. Putain, je vois la fermeture. Regarde là! Comme ceci. Bon là, il donne pas grand-chose, mais en fait, c'est un short hyper taille haute, hyper cintré. Magnifique. Ensuite, toujours dans le même friperie. Alors celle-là, si tu l'abîmes, oxygène, je serais pas contente. Hein. Parce que vous, c'est du voile. Elle la regarde trop mal. Voilà. C'est une petite robe que j'ai portée pour mes 20 ans. J'ai carrément acheté une robe en friperie pour mes 20 ans. Qui est blanche comme ça, qui est un peu plus longue derrière que de... l'accrocher. Ça y est, c'est une matière qui suit comme les collants. Elle est blanche, elle est trop jolie. Tu m'agaces, hein. Elle est trop jolie. Alors, attendez, je vais la mettre dans le bon sens. Évidemment, vous aurez les vues portées, mais... Et celle-ci, elle a coûté 2 euros. Parce qu'en fait, dans la... Je vais à 2 friperies, à Emmaüs et à Agir. Et à Agir, parfois, ils font des braderies. Et donc... sur une sélection en fait de vêtements, tout est à 2 euros. Donc voilà, c'est intéressant. Je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai acheté chez Agir, comme ça ça sera fait. Alors toujours à 2 euros chez Agir, j'ai acheté cette petite robe. Une petite robe comme ça, de marque H&M. Voilà. Qui est trop mimes, j'aime trop. Et on est trop là-dedans. C'est con, putain, ouais. Ne prenez pas de chat, hein, je vous le déconseille. Donc celle-là, elle a coûté aussi 2 euros. Et elle est trop mignonne. Enfin, vous la portez... n'importe quoi, c'est toujours mignon. Alors là, c'est une perle. Genre là, pendant qu'il fait tellement chaud que je sais même pas comment je vais faire pour l'enfiler. Mais ça, franchement, c'est le plus beau truc que j'ai pu trouver dans ma vie en friperie. Et j'en trouve des merveilles. Mais là, vous n'êtes pas prêts, je pense. Alors, c'est très particulier comme style. On ne peut pas le porter tous les jours, mais... Juste waouh. Alors comme ça, ça donne rien. Mais en fait, c'est une veste un peu année... Versailles, enfin moi je suis passionnée par Versailles, mais 2 euros. Et donc en fait c'est une marque qui s'appelle Paul Vazer, et en fait c'est des tenues pour mariés et pour la mère de la mariée. Et en fait ça coûte 800 euros. Je vais payer 2 euros. Non mais vous vous rendez compte ou pas? La qualité du truc, enfin franchement vous allez le voir porter, c'est magnifique. Alors je sais pas avec quoi je vais le mettre, le bas n'ira absolument pas avec. Sur la vidéo à mon avis, mais c'est que je trouve rien à mettre avec, mais je pouvais pas passer à côté de ça. Enfin, 2 euros pour une merveille comme ça. En fait, je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais ma passion pour Versailles va loin, et ma grand-mère, ouais, ça s'est cramé. Ma grand-mère et ma tante et ma mère m'ont fait une robe Versailles, donc je vous mets quelques photos ici. Elle est juste magnifique. Allez sur mon Instagram, vous allez voir plein d'autres photos. Et franchement, je suis fan, c'est juste... Je l'ai eu pour mes 20 ans et c'est un tel bonheur que je pourrais pas vous... Voilà. Pour finir dans cette friperie-là, j'avais pris aussi cette robe-là. Cette petite robe un peu... Alors avec le style Claudine, vous voyez. Toute simple en fait, mais juste... ça fait chic, j'aime bien, elle est toute mignonne. Alors, c'est un petit haut... Comme ceci, pareil, un peu style Claudine mais moins arrondi,
En fait, c'est un petit chemisier, vous voyez. J'adore ce côté qui dépasse comme ça. Enfin, moi, j'aime trop. Après, j'ai pas mon pantalon blanc parce que je le mets sur un pantalon blanc. Donc, pareil, pour toute une portée, je sais pas ça sera comment, mais c'est très joli, normalement très bien porté. Donc, voilà pour cette tripe-là. Juste avant, je vais vous montrer trois ceintures qui viennent pas du tout de ce prix, mais c'est ma grand-mère qui me les a données. C'était ces ceintures quand elle était jeune. Et je trouve que, enfin, comme quoi on peut trouver des trucs super. Et comme ça fera ma transaction parce que j'en ai une quatrième à vous montrer. Alors, ma grand-mère, elle m'a donné cette ceinture-là. Avec les grosses boucles, c'était grave la mode et ça redevient grave la mode. Donc, c'est une grosse boucle comme ça avec des petits trucs. Enfin, voilà, je sais plus trop ce que c'est. Mais. Elle est trop jolie et en plus le principe est bien parce qu'en fait vous pouvez enlever la boucle, couper et remettre la boucle. Voilà, donc c'est pas à votre taille. En plus elle vient de France. Donc voilà, celle-là elle m'a rien coûté. Hop. Ensuite elle m'en a donné une verte en daim. Et je trouve que ça peut faire trop joli sur une tenue simple quoi. Donc voilà, elle est toute verte en dedans. Très années 70 je trouve et enfin, franchement elle est trop jolie. J'aime beaucoup trop. De toute façon moi j'adore les grosses ceintures donc. Et pour finir, une ceinture rouge comme ceci. Avec une grosse boucle et la boucle elle est trop jolie. Regarde, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Moi je suis fan des ceintures, franchement j'en mets à toutes mes tenues et je trouve que ça habille grave une tenue. Donc la quatrième ceinture, elle je l'ai achetée en friperie et c'est vraiment une ceinture pas du tout adaptée pour tenir sa taille. Enfin voilà, c'est plus une ceinture bijou, mais regardez-moi ce bijou, elle est magnifique, vraiment. La réaction de mon copain. Si, elle est trop belle, moi j'aime trop, mais en même temps lui il est pas du tout dans mon style. Donc transition pour le truc-free. Alors j'ai acheté un truc, on ne comprend rien. Putain, le chat a joué dans le sac. T'es agaçante, mais t'es agaçante. Alors là vous allez vraiment pas comprendre ce que c'est. C'est un grand drap. En fait c'est un pantalon qui s'attache autour de la taille. Je sais pas trop si vous allez comprendre, mais en gros ça fait un peu. Je sais même pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous allez voir porter, c'est trop beau. J'en ai plein des pantalons comme ça parce que c'était la mode à l'époque de ma mère et ma mère me les a donnés parce que franchement on est trop bien dedans. En été c'est le Saint Graal. Juste c'est compliqué pour aller aux toilettes parce que ça traîne par terre du coup, mais c'est trop bien. Ensuite j'ai acheté un truc pas du tout de saison. Ça va être trop chiant. C'est un pilou-pilou en fait pour le soir avec un t-shirt, bon je m'en fous un peu du t-shirt, mais on est trop bien dedans, vraiment. Là il fait trop chaud pour porter, mais je voulais absolument un pilou-pilou. Alors lui il a coûté 3 euros il me semble, et je voulais absolument un pilou parce que franchement on est trop bien, les verres avec dans un pilou, et j'en avais pas, donc voilà. Est-ce que je peux récupérer quelque chose mademoiselle? Ensuite j'ai pris cette veste qui était à 3 euros, qui est une veste H&M taille S, voilà, que tout le monde avait à une époque, que moi je n'ai jamais acheté, mais je l'ai payé 3 euros. Voilà, elle est comme ceci, c'est une veste assez simple, je trouve que... Ah purée, elle va m'abîmer, qu'on peut porter n'importe quand. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Mon haul est monotone. Je trouve toujours tout beau, sinon je ne les aurais pas achetés. Et c'est pour que vous voyez à peu près ce qu'on peut vous trouver dans une friperie. Attends, je prends tout parce que voilà, je te l'ai joué dans le sac. Salut. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue dans le sac. J'ai pris deux chemises. Toutes les deux à 2 euros. Alors cette chemise, c'est spécial. Disons que c'est spécial. Comme ceci. Alors là il y a des épaulettes que moi je vais enlever parce que je n'aime pas du tout les épaulettes. Je trouve ça d'un moche. Et d'un moche. Voilà. Donc pas faire genre on ne voit pas les épaulettes. Et voilà, c'est une un peu. Le col, j'appelle ça un peu les cols tunisiens, enfin marocains. Les chemises marocaines, elles sont souvent comme ça.
un peu chinois, un peu asiatique. Mais enfin, un peu asiatique. Mais elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai pris une deuxième chemise qui, elle, est cintrée. C'est la marque Cacharel. Je savais pas qu'ils faisaient des vêtements. C'est un rose sombre. Oh là là, il sort pas du tout bien à la caméra, mais c'est une chemise cintrée. Bon, là, on voit rien. On voit pas grand chose comme ça. Hein. Franchement, quand je vous les présente comme ça, on voit pas grand chose. Donc, vous voyez là quoi. Donc, celle-ci aussi 2 €. Et pour finir, le dernier pantalon aussi 2 € qui ressemble beaucoup à un pantalon que j'ai acheté aussi au Frêperie. C'est un taille haute, orange un peu, camel. Et donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Et bah écoutez, nous avons fini de vous présenter tout ce que j'avais acheté en Frêperie. Je désanalyse toujours les Frêperies. Là franchement j'ai trouvé vraiment plein de trucs. Ma mère s'est trouvé un polo Barbour, enfin magnifique, rose, trop beau, people sa taille. C'est moi qui l'ai trouvé donc je me félicite moi-même. Donc voilà, maintenant on va embêter mon mec pendant qu'il joue pour aller filmer tous les try hauls pour que vous les voyez là et que je vous mette un peu de musique. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite des images et je vous fais de gros bisous. Ciao!
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. You can